Venga, bueno, esa función se va a pulsar. Allez, salut, salut les gars, c'est toujours Boris Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner parce que ici je donne des informations sur les types de bourses et puis j'aide aussi à les postuler. Voilà, si vous avez besoin de nos services, vous pouvez aller là-bas en description. Comme ça, vous allez voir mon numéro WhatsApp et vous allez aussi chercher à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à ma chaîne Facebook et aussi à mon compte Instagram. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, comme vous le voyez là, c'est juste pour vous présenter la bourse de l'Université de Toronto. Vous savez que moi j'ai de l'admiration pour cette bourse là et aussi à la bourse de Montréal, parce que ce sont en réalité, c'est vrai, ces universités là qui offrent beaucoup et assez de bourses aux étudiants étrangers. Donc moi j'aimerais juste vous dit et vous prévenir que cette bourse là c'est une bourse qui est vraiment qui est hyper réelle. Donc ceux qui veulent vraiment postuler, vous avez le choix de le faire. Voilà, et ceux qui sont vraiment prêts à aller étudier là bas vous pouvez aller postuler à cette bourse là et il n'y a pas de souci. Vous savez déjà que vous êtes sur la bonne chaîne et ici ce sont des informations qui sont assez vérifiées. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Alors ici c'est identique, pour pouvoir postuler à cette bourse là c'est pas assez compliqué, c'est la même chose comme je l'ai dit. C'est la même chose comme l'Université du Montréal. Vous n'avez rien à faire, jusqu'à faire votre admission et voilà, c'est tout. Directement, vous serez pris en compte en ce qui concerne la bourse. Et de là-bas, ils vont vérifier vos dossiers. Et si vos dossiers respectent les conditions de la bourse, alors vous allez pouvoir avoir cette bourse-là. Vous allez pouvoir être exempté des frais de scolarité. Donc ici, par exemple, comme ça, si je dois vérifier des éléments, on va voir la date à laquelle vous devez postuler. Mais ça, je vous rappelle que c'est la bourse de Toronto pour l'année 2023-2024. Donc, la date limite, c'est en février. Mais néanmoins, on va essayer de voir et puis on va essayer de voir un peu à quelle date il faut au moins postuler pour la bourse. Donc, si je viens ici dans Important Date, je vais mettre en français, comme ça, vous allez mieux comprendre en même temps que moi. Donc, je mets ici en français. Ok, donc, arrivé là, nous, c'est pour un baccalauréat international. Voilà, et je vais prendre par exemple comme ça, étudiant international, voyons voir, je vais chercher l'étudiant international, comme ça on sera mieux situé. Donc ici, si je prends par exemple, ok, université collège international, je prends ça, ça c'est pour ceux qui viennent des universités et collèges qui sont un peu, qui ne sont pas, qui sont hors Canada ou bien hors Québec. Donc si je traduis rapidement, je vais essayer de voir et puis vous dire en même temps quelles sont les dates que vous pouvez ou devez avoir pour pouvoir postuler à cette bourse, à ces bourses là, et puis comment est-ce que vous devez faire postuler à cette bourse là. Voilà, donc ici si vous voyez bien, on dit pour pouvoir international baccalauréat diplomate with English petition can be presented. Bon, ça c'est pas vraiment ce que je cherche. Ok, donc je vais aller rapidement vers le bas pour aller prendre les informations. Ok, donc ici, quand est-ce que je peux postuler? Je peux cliquer là pour voir. Ici, on me demande de trouver les dates. Je clique là pour les dates. Ok, ça me renvoie encore ici. Donc, ici, pour ceux, par exemple, comme ça, qui vont postuler pour l'ingénierie, les sciences et l'ingénierie, la date limite, c'est le 12. Donc, de toute façon, la date limite, c'est, ça concerne le 12. Maintenant, ici, all other applicants to full-time undergraduate program. Donc, ici, pour ceux, par exemple, comme ça, qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire nous les étrangers. Donc pour les étrangers, voici les dates qui sont déjà là. Donc pour ceux qui veulent faire les sciences d'ingénierie aussi, c'est le 12 aussi, et vous voyez les dates qui sont là. Pour ceux qui veulent être qui veulent faire la médecine et tout ça, il y a le 15, il y a le 17. Donc ça sera à vous maintenant de voir quelle est votre faculté et puis quelle est la faculté que vous voulez faire. Voilà, ainsi vous serez dirigé sur la date à laquelle vous devez postuler, sur la date limite. Donc ça, ce sont les dates limites. Et ça aussi, ce sont les facultés et les dates limites. Donc, vous pouvez voir un peu rapidement pour pouvoir les postuler. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller voir en ce qui concerne la bourse. Si je viens d'un étudiant étranger ici, je vais cliquer là. Et puis, arrivé là, qu'est-ce que je vais faire? Je viens là un instant. Ici, je cherche la partie où il y a scholarship. Comme ça,
Je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour que vous sachiez au moins, vous puissiez au moins les postuler. Ok, donc ici, Program of Study, ici, Campus Life, ici, voilà, donc il y a Scholarship and Financial Aid, ici, voilà, donc si je clique là par exemple, ça me renvoie dans les normes, dans la, sur la partie Scholarship, vous voyez un peu ici, voilà, et nous, c'est pour ces étudiants internationaux, donc je clique sur étudiants internationaux pour voir un peu l'information en ce qui concerne les scholarships. Donc si je mets en français directement, je vais mettre en français comme ça, vous allez lire en même temps que moi. Donc ici comme ça on dit quoi, la majorité de nos bourses d'admission pour les étudiants internationaux du premier cycle sont attribuées dans le cadre de nos programmes de récompense automatique. Voilà, les étudiants internationaux de secondaire sont considérés pour ces bourses là dans le cadre du processus d'examen d'admission. Les deux principaux prix d'admission sont les programmes de bourse de l'Université de Toronto et le programme de bourse d'excellence du président. Voilà, aucune demande distincte n'est requise car ils sont fondés sur le mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire quoi? De postuler à ces bourses-là. Non. Vous n'avez pas besoin de postuler. Ce que vous allez faire, vous allez seulement appliquer pour l'admission et en même temps, vous serez maintenant redirigé. Vous serez parmi, une fois que vous postulez pour l'admission, vous serez parmi les étudiants qui doivent recevoir la bourse. Donc, une fois que c'est comme ça, ils vont maintenant étudier votre dossier et voir si vous êtes apte à pouvoir obtenir la bourse et directement en vous donnant la bourse. Voilà, c'est comme ça. Donc, le vrai travail ici, ce n'est rien d'autre que de faire quoi que de postuler pour l'admission et c'est tout. Donc, pour postuler pour l'admission, rapidement, vous allez venir sur appliquer ici. Voilà. Et on va vérifier rapidement. Si je clique sur appliquer, voilà ce que je trouve. On va venir rapidement ici, comme ça. Applying. Si vous voulez, vous cliquez ici directement applying. Dans le cas contraire, vous allez ici venir voir les documents dont vous avez besoin pour pouvoir. Pour pouvoir postuler, voilà, vous pouvez venir là pour voir les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler et comme ça si vous pensez que vous n'êtes pas dans le système, alors vous pouvez laisser tomber, ou bien si vous pensez que vous avez tous les documents pour pouvoir postuler, alors vous allez aller postuler un peu rapidement. Donc ici nous on vient dans apply. Je vous rappelle encore que vous n'avez juste qu'à appliquer que qu'à l'admission et le reste ça sera automatique. Voilà, donc ici application deadline, je vais cliquer sur là. Donc application deadline pour cela, ça on a déjà vu. Donc on va aller pour appliquer. Donc un instant, et ici vous avez au moins ici access the international application. Donc pour les étudiants étrangers, ici applicant international applicant, University of Toronto application international. Donc ici vous allez comme ça utiliser l'élément qui est là en ce qui concerne les étudiants étrangers. Vous allez utiliser ça, vous allez cliquer dessus et vous allez aller sur la plateforme pour pouvoir appliquer. Voilà, donc ici arrivé là, qu'est ce que vous allez faire? Vous allez maintenant chercher à appliquer. Donc vous allez d'abord créer votre compte, et une fois que vous finissez de créer le compte, c'est la même chose comme tous les éléments à chaque instant, c'est la même chose comme toutes les bourses que vous postulez à chaque instant. Voilà, donc vous ne devez pas vous inquiéter pour cela. Donc ici vous allez créer dans votre compte. If your first time to play internet, visit creator. Donc vous allez cliquer ici, voilà, vous allez aller créer votre compte, et une fois que vous finissez de créer le compte ici, voilà, vous allez cliquer sur create my house account. Voilà, donc une fois que vous finissez de créer votre compte là, vous allez maintenant venir dans login ici. Vous allez mettre vos données ici, comme vous le voyez il y a un nom ici déjà. Vous allez mettre, une fois que vous finissez de créer votre compte, vous allez mettre vos coordonnées ici, voilà, et ils vont, vous allez cliquer sur login, vous serez redirigé sur la plateforme où vous devez mettre vos documents et tout ça. Je vais faire un petit stop ici, je vais reprendre et puis aussi vous montrer comment est-ce qu'il faut s'enregistrer sur le site et puis pour pouvoir commencer à postuler pour l'admission. Voilà, donc les gars, c'était moi, c'est mon hospital. Ceux qui ont besoin de suivre.